le soir tard chaud. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes. 19h, 21h sur TSO Radio. De retour sur TSO Radio, on va faire l'appel débile. Est-ce que tout le monde va bien? Bah ça, ça va, va super. Super. Je rappelle juste que pendant la musique, hein, d'autres se sont vidés l'esprit. Et pas ouais, que ça. Non. Et pas que ça. L'esprit, hein. Je sais pas si on peut parler de l'esprit là. Ah ouais, ouais, bah ça, tu vois, après il y a celui-là, il est pas tiré avec un fil de pêche. Hein, ouais. Et ça n'a pas du tout fait rire Hélène Pompé. Hein. J'ai à préciser que n'avait pas du tout envie de rigoler. Question d'habitude. Ah, ouais. ou de comment dirais-je de dégoûterie. À un moment dégoûterie. Je pense qu'à un moment donné ça. C'est français ça dégoûterie. Non, dégoût tout court. C'est... Ça de dégoût. Ouais. Question dégoût. De dégoûterie. Oui, j'ai dit dégoûterie. Je vais faire ça. Ouais, t'as osé, ouais. Le mec, il a bac, il l'a pas. Donc, l'appel débile aujourd'hui. Alors, on aurait pu demander à Stéphane. Hein. Stéphane. 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 Appel débile. Bon, voilà. Donc, t'énerve pas, Stéphane. Problème micro. Je pense que ça. Il y a un problème micro là. Ça va être compliqué d'appeler quelqu'un avec lui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chatouilleux ici? Eh bien, très bien. Alors, tu vas nous faire. Ah oui, je suis désolé. Bah, tu vois, je te pensais pas, mais tu. Ben non, mais je ouais. travaille. Ah ouais, mais. On peut peut-être dire aux auditeurs que c'est Seb qui est visé. Voilà, c'est vrai, exactement. Mais Sébastien a été visé, donc il est chatouilleux. Ça veut dire que tu vas devoir. En sachant que je déteste faire ce genre de séquences. Faire quoi? L'appel débile? Ouais. Bah, c'est pourquoi... on se rappelle de l'appel débile à son père. J'ai une vieille goutte devant les yeux là qui me. Je rappelle qu'on a une visière hein, pour nous protéger du Covid-19. Hein, ce moment-là. Et ben l'appel débile, tu vas devoir rappeler un magasin de farce et attrape déguisement, c'est ça? Oui. Maître c'est Shaolin. C'est un magasin d'articles de chevette. De chevette? J'ai cru qu'il allait nous dire de schneck. Mais moi je vous dis, hein, si vous me chatouillez, bah, j'en viens parler. Hein. Je vais réussir à les jamais parler. Alors justement, l'objectif est de réussir à faire une commande d'articles de chevette, du coup. De schneck. Et à chaque fois que je mettrai le gong, le fameux ding de la dernière fois, eh bien, quelqu'un viendra te chatouiller. Donc après, il commencera. Bien sûr, il faut que la personne ne l'entende pas, quoi. Enfin, faut que tu réussisses au maximum à tenir le choc. T'es vraiment chatouilleux. Ah, ouais, ouais. Il s'est entraîné en plus hier. À faire quoi? Pas rigoler pendant le chatouille. Ah bon, non, tiens, 5 secondes. Non, parce qu'il s'invite. Vous avez des beaux jeux hein, quand même à la maison. Il hein. n'y a personne d'autre qui est chatouilleux ici. Bah, j'ai demandé qui était. Non, non. Bon. Bah, je suis pas chatouillé moi. Non, on va s'en rendre compte tout de suite. Maître Shaolin. Comment on appelle un maître. Bouddha? Bouddha, bah oui. Bouddha, c'est un bouddhiste. Merci beaucoup. Je pensais que c'était un fromage, le Bouddha, mais non, c'est le Bouddha. Le mec, je suis con comme une bite. Non, tu peux y aller, vas-y, t'as pas de numéro. Fromage, je suis en train de combler là. Bouddha. Bouddha, Bouddha. Donc on va appeler. Il y a trop de gouttes en moi là. Ah oh ouais. Hop, ça agite tout seul. Ça sort, tu vois. C'est ce que tu demandais tout à l'heure, ça sort tout seul. Est-ce que t'es prêt, Sébastien? Non. Attends déjà. Allez, c'est parti. Ça va répondre normalement, son magasin. S'ils sont ouverts. Farce et attrape. Maître Bouddha est tombé sur le seul magasin qui est fermé alors qu'ils ont tous réouvert. Bah, si ça ferme à 10h, ça à 19h, oui, si ça ferme à 19h, on l'a donc. Oui, c'est vrai, ça. Oui, ça c'est... Non, mais sauf qu'à 10h. Hein. Généralement, les magasins, ils sont à 10h. On l'a dans le cul aussi, du coup. Il est content, la gars, du coup. Donc, je passe mon tour. Ah bah non, attends. Bonjour, bienvenue au service client. Ah, service client. Bon, alors, merci. Tu peux raccrocher le téléphone et on va essayer un autre, c'est pas grave, hein. C'est con, j'ai envie de te voir dans une folie extrême. Parce que je sais pas pourquoi, mais je pense que tu pars loin dans les... Non. Et il est dépité d'avance, il dit, je vais même pas réussir à dire allô. Mais je vais te laisser dire allô, hein. Je rappelle que c'est au ding que tu, quelqu'un proche de toi... va devoir te chatouiller les endroits les plus intimes. Homogène. Ouais. Oh, putain, je vais pas mettre les bons mots à la bonne place aujourd'hui. Homogène. Homozone. Homozone. Alors, maître. Oui, pardon. Excusez-moi. Hop. Allô. Allô. Pas trop aimé. Ça sonne. Ça répond pas. T'as appelé qui sinon? Un magasin. En fait, tous les magasins ouvrent à 10h donc. Ouais, mais bon, il est 19h, ça ferait quand même. C'est méga fête. Elles sont fermées alors. Ah, c'est pas ouais, elles sont fermées. C'est pas la méga fête, hein, 9h à cette heure-là. Pierre, j'ai.
Bonjour. 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 Au pire quoi? J'essaie un autre type de magasin peut-être. Vas-y. Ouais, un magasin qui pourrait être ouvert à 19h55. Un supermarché. Oui. Ouais, voilà. À 19h55. Bah si. Attends, bah, à 19h30. Un supermarché. Ah, une supérette. Fermé 21h, supermarché. Un Poxy ou... T'inquiète pas, on va trouver. Hors Covid. Alors, vous êtes gentil. Il va vous gueuler dessus, Maître Bouddha. Hein. Bouddha. En plus, il a rasé ses cheveux, ça ouais, fait vraiment ça. Ouais, c'est pour ça. Et pourquoi tu rases tes cheveux? Et là, je l'emmerde parce qu'il cherche des magasins, il n'a pas de micro, tu sais. Je le fais chier avec des questions de merde. Et vivement à la fin de cette séquence. Parce que je préfère être comme ça. Ok, merci beaucoup pour cette réponse construite. En deux mots, construite. Un sex shop. Allez. Oh. Alors, je pense qu'il est fermé, le sex shop, là. Non? Bah, allez, je sais bon, pas. On essaye, de toute façon. C'est pas la première séquence qu'on fera avec des... L'important, c'est... Sinon, c'est l'appel débile. Il est content, l'enculé. Oui, c'est l'appel... Ah, le but de l'appel débile, c'est donc d'appeler des gens, d'écouter les sonneries, et c'est tout. Et que nous, on se retrouve comme des débiles. Ouais. Voilà. Mais attends, on appellera ça plutôt la séquence débile. La séquence, ouais. Ouais, ouais. Mais comment on fait quand même intervenir du téléphone? J'aime bien le... Derrière. Gros vidé. Je rappelle pour ceux qui viendraient d'arriver que... Oui. Ah, j'attends. Que c'est la séquence de l'appel débile. Donc, ouais, le débile, vous l'aurez tous compris. Mais les gens ne répondent jamais. Allô? Ah. Allô? Oui, bonjour, c'est City. Bonjour. Oui, bonjour, je serais pour un renseignement. Oui, dites-moi. Parce que j'ai fait une soirée ce week-end entre amis. Et je voulais savoir ce que vous avez comme déguisement. Pour homme ou pour femme? Pour les deux. Pour les deux, bah, on a un peu de tout. Hein. Pour homme, on a tout ce qui est mail de service et des choses comme ça. Et après, pour femme, bah, on a un peu plus de choix quand même. On a tout ce qui est police, infirmière, steward, hôtesse, voilà. D'accord. Et vous êtes ouvert? On peut venir directement chez vous, pas? Ah bah oui, la boutique est ouverte de 9h à 21h du lundi au samedi. D'accord. Et dimanche, 13h à 21h. D'accord. Et je voulais savoir aussi, est-ce que vous avez des friandises ou ce genre de trucs ou pas? Oui, après on a tout ce qui est string, bonbon, pour enfin parure aussi, en dessous, oui. D'accord. Et voilà. C'est quoi vos prix, par exemple, s'il vous plaît? Alors, les prix pour tout ce qui est candies, si je combine dans les 15 euros. D'accord. Voilà. Et après, pour la magie, ça démarre à partir de 25, 29 euros. Voilà. Bébé! Demande s'il a des... Bébé! Demande si elle a des codes. Excusez-moi. Je suis en face de la gare, à côté le bar Le Triomphe. Voilà. D'accord, ok. Et je voulais savoir, c'est parce que je dois faire un cadeau aussi à une demoiselle. Est-ce que vous pouvez me conseiller un cadeau original ou un peu farfelu? Il y a pas mal de choix à la boutique. Hein. Des menottes. Voilà. Demande si elle a des menottes, bébé. J'ai brûlé ce que j'ai du monde dans la boutique là. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Enfin, au revoir. Oh bah, s'il y a du monde dans la boutique, merde. Il y a du monde dans la boutique. Merci, dis donc. Ah ouais, quand même. Eh bah, tu résistes surtout en fait. Ah, mais c'est parce que. Ouais, mais moi il me fait peur parce qu'il me frappe hein, quand je le chatouille. Hein. Ouais, il n'aurait pas fait de. Parce que même là, j'ai essayé. Par contre, Non, en fait, en sex shop, c'est encore mieux parce que t'as tellement de choses à demander. Vous avez des costumes, oui. Après, vous avez des gants de Michel. Après, vous avez des friandises. Mais le mec, il en avait rien à foutre de savoir qu'on était 12 à lui parler autour. En même temps, il a peut-être l'habitude. Bah oui, bah, il a du monde en magasin. Donc, il y a du monde, ouais. Le mec, donc après, il faut. Après, faut se dire qu'on est lundi et le lundi, apparemment, à presque 20h, il y a du monde. Il y a du monde. Je pense que les pipe shows étaient pleins. Hein. Vous pouvez les déranger quelqu'un dans un pipe show, s'il vous plaît. Bah, peut-être que monsieur est en train de se faire. Ah, vous hein. Merde, j'ai oublié de raccrocher. Allô? Excusez-moi, il y a du monde à l'accueil. Excusez-moi, il y a du monde. Ah oui. Mais lui, c'est déjà allé dans un sex shop et. Ouais, 20 balles la pipe, tu m'as dit. Non? Non. Non, c'était plus cher. Non, mais j'avais acheté. Il y a un petit bluff, sinon, il y a un petit bluff. Bah, donc. Non, mais moi, je dis ça pour toi. Moi, après, j'en ai pas. En tout cas, je pense que le défi a été réussi. Oui, ouais. Enfin, le défi, ouais. Bon, en tout cas, le plus gros défi de la séquence à chaque fois, c'est d'avoir quelqu'un au téléphone. Ouais, et c'est Nivek qui le mène, ce défi-là. Hein, bravo, Nivek. Bravo, Nivek. Allez, bravo. Merci. Oh,
pardon, excusez-moi, je pète un câble. Et on sait que le sex shop qu'on vient d'appeler se situe à côté de la gare, en face du triangle. On peut lui faire une petite pub peut-être. On y va maintenant. À 21h, on y va tous. On peut lui faire une petite pub, il était où? Dans quelle commune? Parce que oui, après tout, il a pris du temps pour nous. C'est Ap de Haute-Provence. Oh, c'est loin. Il avait pas d'accent chantant comme ça. La ville. La ville. Il l'a dit, je crois, non? Non, il a dit Alpes de Provence. C'est pas une définie d'herbe. C'est une ville. C'est de Cannes. De Cannes. Ah oui. La ville de Cannes. À côté, bah, à côté du triomphe. Mais oui, je connais. Cannes. C'est Cannes. C'est Cannes. Quand avec les cannes à pêche. Ah, sex, sex in the city. Oh, oh là là. Comme la série, quoi. Alors, je vous invite à aller au 6 rue Jean Jaurès, où il y en a un deuxième, si vous voulez, au 2793 chemin Saint-Cloud. Ah non, c'est Jouons-les-Pins. Ok, et eh ben allez voir ce monsieur, il est bien sympathique. Sex in the City. Bon, et il y a du monde. Il y a du monde, prenez de l'avance parce qu'il y a du monde. Et un peu de route. Un peu de route pour ceux qui nous écoutent. Et en plus, il a également parlé des 16 heures d'ouverture. Il a dit quoi? Oui, en nous. 16 heures d'ouverture. Et c'était quoi, 9h du matin? Je sais plus. Voilà. Allez, non, mais je crois que le week-end c'est 19h à 21h, il me semble. Comme le soir, t'as chaud. Oh, popopo. C'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. C'est sexy shop. Vous bougez pas, vous restez là juste après la pause. Non. Le retour. Non, juste après la pause, on se retrouve sur TSO Radio. À tout de suite. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.